présente un nouveau tutoriel sur Ciel Conta 2015. Toujours dans le menu traitement, nous allons voir maintenant un tutoriel sur le lettrage manuel et le lettrage automatique. Nous verrons également les écarts de règlement puisque Ciel est capable de passer automatiquement une écriture d'écart lorsque un règlement est différent de la facture. Donc il va passer une OD tout seul. Pour justement que Ciel puisse passer automatiquement une écriture d'écart de règlement, il faut absolument que dans votre dossier vous ayez autorisé un écart et indiqué un seuil. Alors en général on indique pas plus de 1 €. Alors où se trouve cette option? Dans le menu dossier, vous avez ici options et préférences. Vous avez dans le dossier comptabilité ici une option qui s'appelle règlement. Vous double-cliquez avec la souris et là en fait vous voyez, vous dites admettons avec écart maximum de 1 €. En principe, voilà, comptablement on considère que jusqu'à 1 € c'est un écart de règlement. Donc quand vous aurez, alors aussi bien au niveau des clients d'ailleurs que des fournisseurs, des différences de 1 €, lorsque vous allez le lettrer, eh bien Ciel va automatiquement vous proposer de passer une écriture d'écart de règlement et il fera le lettrage automatiquement. Donc là moi je vais faire OK. Maintenant on va prendre des exemples de lettrage. Donc on va faire dans un premier temps des cas simples, un lettrage manuel où le montant de la facture est identique au règlement. Donc ici vous prenez l'option lettrage manuel. Nous allons prendre le compte par exemple EDF où ici il y avait admettons un solde à nouveau de 60 €, il y a eu un règlement par la suite, et bien en fait donc là il faut absolument effectuer le lettrage. Donc on va faire ce qu'on appelle du lettrage manuel, on sélectionne donc en appuyant après sur la touche CTRL toutes les lignes qui correspondent au lettrage que l'on souhaite effectuer et ensuite vous cliquez sur le bouton ici lettrer et il va vous proposer, vous voyez, un code de lettrage ici, et donc là en fait comme c'est bien en italique. Alors juste aussi une précision, pour que le lettrage puisse se faire il faut que dans le plan comptable au niveau des clients et des fournisseurs vous ayez bien l'option lettrable de cocher. Donc ça c'est le cas le plus simple, vous faites du lettrage manuel systématiquement. Alors c'est vrai que si vous avez pris des options par rapport à tout ce qui est règlement, il va vous proposer aussi le lettrage en même temps qu'on fait le règlement, mais si vous saisissez votre banque par la saisie standard, la saisie au kilomètre par exemple, il ne va pas lettrer, il faudra faire cette opération. Maintenant on va voir un autre cas de figure sur ce qu'on appelle les écarts de règlement. Je vais prendre donc un fournisseur, celui-ci par exemple, voilà, ou entre la facture qui est de 100 € et un règlement de 99,50 €. Donc comme j'ai bien indiqué dans mon dossier que j'autorise 1 € d'écart entre le règlement et la facture, ici, quand je vais sélectionner mes deux lignes, quand je vais faire lettrer, voilà, donc là pour l'instant, entre guillemets, il le lettre, c'est quand je vais faire fermer, voilà, ici, il me dit que le lettrage est non équilibré. Moi, je veux enregistrer, continuer mon lettrage. Voilà. Et là, vous voyez, il va me proposer une écriture d'OD. Alors, ça peut être soit en votre faveur ou en votre défaveur. Donc là, il se trouve que je règle moins que la facture. Donc, c'est à ma faveur. Donc, c'est un produit. Sinon, ça aurait été un 675. Ça aurait été une charge exceptionnelle. Je peux aussi demander de voir l'écriture, vous voyez, avant de l'enregistrer. Voilà, pour m'assurer que c'est correct. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Et là, voilà. Et ici, il me l'a bien lettré. Donc là, vous voyez maintenant, si je regarde, voilà, par rapport à Moreau. Voilà. Donc là, si je veux les lettrer, voilà. Donc vous voyez, il m'a bien rajouté les 50 centimes pour que, effectivement, ça correspond bien aux 100 €. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le lettrage automatique. Donc là, en fait, comme son nom l'indique, on peut demander sans faire manuellement cette opération, à partir d'un compte, mettons, de la classe, si vous voudriez lettrer automatiquement tous les fournisseurs ou tous les clients, par exemple, mais vous vous dites, je veux lettrer tous les fournisseurs, et c'est lui
qui va le faire. Alors, on peut demander aussi par référence, donc ça c'est par référence, admettons, de la pièce, voilà, ou par montant. Donc là, dès qu'il va avoir deux montants identiques, il va les lettrer. Alors, c'est un petit peu dangereux parce qu'effectivement, si vous avez deux factures de 100 euros, peut-être que le premier règlement ne correspondait pas à la première facture, mais à la seconde. Donc c'est pour ça que le lettrage automatique, c'est vrai qu'on le voit plus en cabinet ou quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de règlements, soit journaliers ou hebdomadaires. Voilà, et là, après, on fait OK. Voilà, donc là, je mets oui et on va voir. Voilà, donc là, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de lettrage. Mais après, quand il a terminé, voilà, il va faire automatiquement le code du lettrage. Voilà. Voilà, donc là, on a bien vu toutes les possibilités que l'on peut faire avec le lettrage manuel et le lettrage automatique. Je vous propose maintenant un tutoriel, effectivement, comment faire sa déclaration de TVA.